I see some smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well, salut ce tigre. Seems somebody left. Recently. And that way. Sure, well, come on then. There's some tracks leading to the river. Adelante. Let's cross. See, they continue up that way. Come on, we should keep moving. Hey, stay on these tracks, come on! John? You tell me! Wait! Not that way! It's a horse track for sure, but could be anyone. Let's just see where they lead. Where are you going? The tracks lead this way, Arthur. Hey, c'est parti. I think we're going the wrong way. There you are. Let you run out on me for a second. So, you were there, Javier. What really happened on that boat? We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Raining bullets. Oof. Killed a girl in a bad way, but it was a bad situation. That ain't like him, though. The tracks go left, down here. Davey got shot. Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Damn snow's coming in hot again. We'll lose these tracks if we don't move fast. Whoa. Yeah, a lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Almost there. Come on. Hey, look. Over there. You see that? John was riding that horse when we left Blackwater. Let's see if he can hear us. Come on! Up there! Yeah!
coming from up ahead somewhere. I don't think we can go much further on the horses. We'll have to walk from here. I grabbed that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead? Hop, salut Seb. Moi je t'entends et comme j'active le chat de groupe normalement. Careful here. Mierda, we're high up here. You're telling me. Help me! Careful. There's a drop here. Watch out here. Stay low under here. Okay, good now. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Up this way. Ah, je trouve pas le placement des boutons hyper naturel en fait. Ça sounds closer now. Come on. We're coming, John. Ça tarde très tôt. Troisième personne, standard FPS. Ok. Oula. Ouais, je. Ok, allez, go. How you doing? I'm miserable. Been a tough few days? I know. Here. What? Take a drink of that. Thanks.
not designed for this, you know? Let's keep moving then. Come on. John, where are you? John, can you hear me? Et si je bouge un peu le micro, est-ce que c'est mieux? Non? Ok. Alors, attends. Non, mais non, je sais pas si je peux le faire. Non, je vais le faire. Volume du son ambiant. Hop. Non, ça bouge pas. Ah, on l'entendait quand même de vachement loin. Hein. Ah, mais je m'entends. Ah d'accord. Marston, over here, Arthur. That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. Il est en piètre état. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Come on, compadre. Well, allez, c'est parti. Let's try this way. Ain't you a sorry sight? Can't argue with you there. See, I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? Allez, avancez. I don't think so. Je m'entends encore là. Hopefully this will lead us out. Ouais, ou peut-être brancher le casque, ça sera peut-être plus simple. Ah ouais, parce que là je m'entends parler là. Je suppose que dans le groupe on doit nous entendre. Alors empêcher les loups de s'approcher. Et c'est reparti. À d'autres poneys. You'll be fine. It's just like a dog bite. Knew a fella. Got bit by a dog. Died an hour later. You ain't gonna. La bande son a l'air pas mal du tout. Not yet. Quand t'as le passage dans la maison là au tout début. Ça se termine. Bonne musique de. Au niveau des doublages, j'en ai pas mal du tout, enfin je trouve que c'est. Get out of here.
Ouais, ça va être... Ouais, parce que jouer et lire en même temps. En tout cas, je monte pas le jeu à mes filles. Définitivement, je ne monte pas à mes filles. Parce que si tu commences le jeu à abattre des loups. Ouais, cool. Je déconne. Starving, damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. Nearly there. Je trouve ça presque étonnant d'avoir fait commencer l'histoire sous la neige. Ouais. Je dis pas que c'est dramatique, mais tu t'attends directement à arriver un peu dans un décor type vraiment Grand Ouest, désertique, des grands rochers à gauche à droite. Come on, let's get you warm. Thank you. Thank you both. This is a new low, even by your ouais, tu m'étonnes. Ouais, mais c'est comme Forza, faut attendre le passage à la saison suivante. Not today. If you and Dutch talk about it, I'm not gonna get out of this. I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that? That civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Salut X0791TC95X. Fallait le sortir. Non, c'est original comme pseudo, hein. je peux pas dire le contraire, hein, mais faut le sortir. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a de beau dans les menus? Alors, progression. Histoire 1%, bah, c'est fantastique. Alors, après un braquage raté, la bande s'est enfuie de Blackwater en direction des Grizzlies. Mais une tempête de printemps tardive les a laissés grelottants et affamés. Ils se terrent dans une ville de mineurs abandonnée pour panser leur plaie et attendre une éclaircie. Alors, hop, les hors de la loi, l'émergence d'un souvenir. Ok, allez, go. Not doubtful, just worried. Because I thought you liked action. A couple of days on the lam, and you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. That fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. A party? Probably. Uh-huh. That funny, huh? Sure. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do.
Come on. Are you sure about this, Dutch? Yes. Both been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. C'est sur la X, là. C'est le Big Bobo. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. Il faudra qu'on essaye de faire un stream sur la FAT pour montrer ce que ça donne. On va aussi faire des vidéos montrer justement la différence, faire de la comparaison, des choses comme ça. Come on. And you think now is the right time to hit a train. Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! Et c'est parti. Southwest, right, Arthur? Yeah. He said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these bastards. Et on a envie de voir des grands décors là. That tracks horses, quite a few of them. Hold, c'est quand même bien joli. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay, you know I got your back. I learned a long time ago that you hit Como Driscoll. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que vous le stream est de bonne qualité, que vous entendez bien. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this will end. Damn right, boss. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Whoa! All right, gentlemen, this is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. There they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him.
Who's he talking to? He don't seem very happy. No. They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. Come on, let's get down there. C'est parti, allons nous en occuper. Don't forget to grab that rifle from your horse. You boys be ready to pick them off from up there. You got it, Dutch. Ah bah oui, on peut-être pas d'arme. Quel est le mien là-dedans? Quick, grab. Ça doit pas être le mien. Are you hearing me? You're going to need that. Le fusil, on a dit. Ah, ouais. Je m'attendais à avoir un grand fusil, j'en vois un qui dépasse. Que ce soit de l'autre côté, tu vois, ça joue ça. Carabine à répétition, mais je la vois pas là. Ah, elle est là. C'est parti. We'll circle around the far side and go down that way, same as Mike and Bill. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Combe, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now come on. Ça y est, je t'entends. Ah là on t'entend quasiment plus. Mais c'est pas de l'écho, c'est du souffle en fait. Et pourtant t'es avec un casque ? Salut Brut Nours. Bon, pour l'instant on fait un peu de la randonnée. Un petit peu de randonnée dans la neige, tranquillou. C'est ça. Je suis en train de regarder un peu la diversité des décors. Enfin là bon, il n'y a pas forcément de diversité, c'est des rochers, des arbres et... Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un arbre qui se ressemble. Ça fait pas copier-coller d'éléments. Maybe I should take the lead on this. They're gonna be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Follow me. Let's head for that building in front. Hey, anybody seen Liam?
low. Come on, follow me. C'est ça, je fais de l'infiltration. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. Ouais, ouais. So we got everything we need. We don't have time to debate this. We are ready to roll. How soon? Okay. I'll go first. Bon. Allez, go first, ça veut dire que tu y vas en premier, donc. Ah non, c'est un deuxième. What are you waiting for? Bah non, mais je lui ai dit comment attaquer le truc, et il a dit I go first. On va se rapprocher un petit peu. Voilà. Ouais. Méchant là encore. Un peu. Qu'est-ce qu'il tire? Enfin, je le vois tirer à droite, je sais pas où il tire. Juste là en face, là. Non, là-bas. Ah, je le vois là-bas. Still got some.
jamais les ralentis. Ouais, ouais, c'est vachement bien fait. You recognize any of them, Dutch? Of course not. Colm doesn't give a damn about his men. All he cares about is numbers. If you can shoot a gun, ride a horse, and kill without thought, you're in. Think how long some of you have been with me. Allez, on va faire un peu les courses. Colm doesn't even know half the names of these fools. Un bon corps pour faire ses courses. Ah, mais on peut plus faire ses courses tranquilles sans qu'on se fasse attaquer, quoi. Ah ouais, justement, elles arrivent. Ah ouais, la zone rouge. Ah non, c'est pas vraiment cette arme-là que j'avais prévue. Voilà. Sur quel bouton j'ai le sang-froid, merde. Allez, on recommence les petites courses. Médicament miracle. Je vois bien ça en 1900. Médicament miracle, j'adore. Voilà, on continue les petites courses, tranquillou. Il y avait une petite quantité quand même, hein. Ouais, sur le stuff. Ouais. Il est un peu pressé lui quand même, hein. Good work, boys. Now, let's tear this place apart. Bill, you go search that wagon there. Mike, search that building. Arthur, you take that building to the left. All right, man, quick. Find those detonators, explosives, anything you can. Let's go. Alors, dans le quotidien, bâtiment à gauche. Ah bah celui où j'ai déjà commencé à ramasser des trucs. Ouais, petit coffre à dynamite, tranquillou. This looks good. What do you think, Bill? Looks fine. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, boss.
Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Oh, yeah. Interesting. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. All right. Let's get out of here. Proud of you boys. All of you. Not a man down. Good work, fellas. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like. But we will always get back up and fight. That's who we are. Outlaws for life, fellas. Wait until we have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us, and I believe... Et c'est reparti dans les petits décors. They will all be back. Well, you didn't get combed, but this head'll hurt him a lot more than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. You know, he'll come after us. Oh, mec qui a pas les chevaux. Non, définitivement c'est mort. Pour le mec qui kiffe la ville, c'est mort aussi. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. Ah, moi je suis plus Alexandre Lederman en fait. All right, dig in, fellas. Let's make some ground. Même nuage de pollution qu'à Grenoble. C'est pas... C'est ça. Hey, you see that fella? Wasn't he at the camp, Combe? Leave him to me. All right, we're heading back. Just bring him back alive. He could be useful. Okay, you got it. Ouais, copain, viens là. Ça veut du bien. Copain. Ça va. Il est vachement long de l'assaut en fait. Est-ce qu'au moins on le traîne par terre? Allez, viens là. Le petit sac à patate. Hop là. Just let me go, come on. I'm full enough for you. Shit. Shit. Ah oui, c'est vrai qu'il faut s'occuper de son cheval. Il faut être sympa avec son cheval. Yeah, good boy. What's your name, boy? I don't know. You don't know your name? It's Kieran. Kieran what? Duffy. Kieran Duffy. Well, I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Something you ain't gonna like. So I'd advise you to save your breath for screaming.
No, please! Ça va, ils tombent pas du cheval. Hein. D'ailleurs, des velcro sur le cheval. You're hurting me. You better shut your mouth, you little shitter. I will shut it for you. Dieu, un raf. Comment ça va? Bienvenue sur hashtag hashtag Sebalex. Et toi, la forme? Ah, lien avec mon cheval. I'm sorry. Okay. Not one more goddamn word. Am I clear? Okay. That's two bones right there. Énergie augmentée au niveau 5. Est-ce que tu entends Seb, Raph? Ah non. Ah, donc en fait, je suis en train de parler à quelqu'un de virtuel depuis tout à l'heure. En fait, il y a Seb qui est là, mais a priori, depuis l'application Xbox, même si j'autorise le groupe à chatter sur Mixer, et on l'entend pas. Mais qu'est-ce qui va pas ? 76 sur 20. D'ailleurs, c'est à quelle heure? Il y a une bêta de Fallout ce soir aussi. C'est demain soir. Let's introduce you to the boys. Don't hurt me, please. Viens là, mon enfant. Oh, don't worry. They're real nice. You found a little shit, did you? Yep. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them. Is need feeding. We are gonna find bonne tête de gars bien crado. What you need. I can't believe it. An O'Driscoll in my camp. I ain't an O'Driscoll, mister. Les voix sont pas bien faites. That fella. Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. Je sais pas combien d'heures on passe comme ça, enfin, combien de jours on passe à faire des doublages. Now, ça doit être assez monstrueux quand même. If we can hit that train. Okay. Non, on peut pas streamer en 4K, Mixer c'est 1080p, c'est 1080p max. Je sais même pas si Twitch est monté en 1080 là depuis. Parce que quand Mixer est monté en 1080p, Twitch ne l'était pas encore. Ah, c'est... Ouais, là.
C'est vrai que Twitch, c'est pas la même latence. Alors. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. We have a few cans of food and a rabbit. For what? 10, 12 people? Bah non, la suite, du coup, le jeu un peu en même temps, en fait. I do not wish to hear about what you got up to in the Navy, Mr. Pearson. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately survived. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting, and they found nothing. Well, Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. Unless those mountains are full of game that want to read, ain't no wonder they found enough of this. We'll go find something. Come on, Arthur. Wait a second. Hold on. Here. You're gonna need something to eat out there. Assorted, salted off. Starving would be preferable. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your hand. I can't stay here listening to you two. Look, if there's game in those hills, I'll find it. And you can kill it. You need to rest, Charles. You think this is rest? Come along. Yeah. C'est pour toi, quelle heure? You take this. I can't use it, and you'll have to. Oh, you're joking. Use a gun, and we'll scare off every animal for miles around. You're never too old to learn, I imagine. Come on, this way. How are you holding up, Charles? I'm okay. Apart from this hand. Stupid mistake. Still bad? Ouais. It'll be fine c'est in a day or c'est two. Pas foufou. I just can't pull a bow right now. Sure hope I can. Never ah, really pardon, got quand je dis que c'est pas foufou vu que personne n'en sait. Parce qu'on parlait de la bêta de Fallout 76. Finalement, il n'y aurait eu que 3 sessions par rapport à PC et la PS4. J'ai même pas écouté ce qu'il fallait que je fasse. Pearson doesn't know what he's talking about. Mais now the weather's eased off a bit, there'll be no Non, je suis pas sur Twitch, c'est juste Seb qui est dans le groupe avec l'application Xbox, mais a priori on l'entend pas depuis l'appli Xbox. Been a while, few days, alright. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm, going out for John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that, just... Il passera sur la console d'ici like to think back on. I still don't really know what happened on that boat. Me neither. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Bon, mais c'est vrai, comme ça c'est bien, ça me vient quand ça me va quand il y a... Éclatez-vous, je vais jouer à Storm. Allez, passe une bonne soirée, salut Raph. Et à lundi. Trois caractères qui veulent tout dire. Parle pas comme les Jets. Maître ne parle pas comme ça. Some patches of grass here. This is good. Come on, let's try this way. Keep your eyes peeled for movement. The wind's died down too. That's good. No wind at all is bad, but if it's too strong, they won't move. No, shh. Stay quiet. Hey, stop here a second. I see something. Oh!
these deer been here recently. How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. A gun will scare everything around. No, use the bow I gave you. That'll make too much noise. Keep down. Move quietly and slowly. You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. There. You see him? Quick, get that bow out, Arthur. Aim for their head or neck. We want a good, clean kill. Get good tension on the string before releasing. Just don't overdo it. Now, Arthur. Okay. Try again. C'est pas évident. On peut pas tendre l'arc trop longtemps.
parti. Ah. C'est pas évident. Ça me charme un peu. Aïe. On va récupérer la petite flèche. Hop. Petite flèche. Et on repart. Rechercher notre gibier. Ça pas par là, juste en face. Well done. I think that's all we can carry. Okay, you pick up one, I'll get the other. You sure your hands okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Okay, I'll go grab the other one. Tranquille, il se balade avec sa biche. Les détails. Ah, voilà. Pretty good hunt there, boy. All right, boy. Allez. C'est parti. Yep. L'animation du gibier sur l'arrière du cheval, c'est plutôt pas mal fait. Ready to head back when you are. Come on then, let's head back. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. You found him. I knew you'd be okay with that bow. It's easier when they ain't shooting back. We've seen enough of that. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe hey, our luck's finally on the turn. Oh, watch it. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We'll have a big price on our heads. This is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have a plan. You
notice how Pearson's had a bottle in his hand ever since we fled Blackwater? We give the camp cook 5 minutes to grab the essentials and go, and he doesn't even bring a crumb of food. Good that we caught more than one. We've only been up here a few days and have already picked up 2 more mouths to feed. One more. We ain't feeding Neil Driscoll a damn thing. Except maybe that can of salt and awful Pearson was kind enough to give us. The girl, she has a wild look in her eye. Of course. She lost her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here and we're back on our feet, we'll see. She might have family somewhere. Who knows? Maybe she'll deal with the O'Driscoll for us. Well, I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Yeah, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. Yeah, I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. A proper blood feud. So I heard. Watch out. Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. He must be real hungry. Stay well back. Spring storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Now? 5-6 months? Something like that. But you didn't expect this. What? Any of this. Blackwater mess. Being up here. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. I know you could run it alone, no problem. I did that for a long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. Allez, on traverse. This suits me. Sure, I'm falling with another gang, but Dutch. You know, Dutch is different. C'est des corps quand même. Careful. Oh yes, Dutch is certainly different. He treats me fair. Most of you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? Oh, 20 years, something like that. Since I was a boy. 20 years? Yeah. Taught me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. Eh ben, on était loin de la maison. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. How's that new horse? He's all right. He'll do for now. I appreciate you letting me take Taima the other night. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us.
I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. He's a drunk, miserable bastard, but he loves that horse. I hope they all make it. I tried to ride the Count once. He's faster than a bull. Won't take nobody but him. I'm gonna hitch time over here. Brought some food back, boys! Get these over to Pearson. Thank you for showing me la bichounette. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. Et on va la donner à Pearson. Well, well, well. Just drop it down in here. What a surprise. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to avoid you. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Well, see you gents later. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Navy rum, sir. It's the only thing. The only thing. Keeps you sane, it does. Yes. Oh. Seems to have done a treat on you. You go rest that hand, Charles. I'll be fine in a few days. You mind helping me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. Do I get to skin you? You're always one with the jokes, aren't you? Isn't a job for a man with a burnt hand. I'll see you both later. You skin that one that you dumped on the floor there. Ah ouais. Not too bad, Mr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell these in pretty much any town. If you're looking to make a legitimate bit of money, of course. Right now, I'm just looking to get off this mountain alive. D'accord. Well, if you catch anything else, you bring it to me. Sure. Ouais, vas-y, vas-y. Thank you, Mr. Morgan. Heck. Arthur Morgan's first decent bit of hunting, after all these years. Yeah, well, we're on the run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. Je t'invite maintenant, Seb. A few days. Ah, vous avez débloqué les défis des grands chasseurs. Ouais. Dutch, he is busy making plans, and Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Je propose que pour le prochain jeu Rockstar, il soit full français, sous-titré en anglais. Comme ça, les Anglais comprendront ce que c'est. À chaque fois, de devoir se taper toute la lecture. Mind away, Reverend. You're still here, then? I owe you. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur! I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but... Look at you. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch? Jackie. The boy wanted to see you, John. He'd see me now. Salut les troisièmes. Left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah. Come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money.
Everything we has in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stay. Sortir to the plan, which was to lie low, then head back out west. Suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutchie. Well, who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Jeu de rando. Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. Money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. Good money. Once we work out how to cash them. Now everyone, shut up
and get your mind on the job at hand. Come on. There's the water tower. Hold up here on the ridge. Oh. Whoa. Is Bill there? Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. Whoa. Easy. Okay, boy. Let's go. This is a good spot. Yeah. I must remember back home. Ça, je peux pas dire. Est-ce que vous entendez Sébastien qui est avec nous? How you getting on? Yeah. I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. C'est bien fait, c'est rare quand tu vois un perso prendre un objet. Tu vois, en général, t'as un fil tout nul qui suit. Du coup, d'ailleurs, pourquoi il est désactivé ? Là, on doit t'entendre. Ok, this is good. All right, that should do it. You head back. Bravo, Alex. Bonsoir aux trois spectateurs qui nous regardent ce soir. Salut, Aurel. Et là, normalement, on doit perdre au moins tous nos followers. Salut, Aurel Live. Train's gonna be here any minute. Magnifique, magnifique première codiffusion avec SnakeX. N'oubliez pas de vous abonner. Très 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 important. La petite cloche bleue. La cloche, le pouce bleu, le... La cloche, n'hésitez pas. Le poney rose, c'est le plus important. On prend les dons, on prend tout. Voilà, il est 23h, je vais partir en cacahuète. Je m'excuse pour les trois personnes qui nous regardent. Donc là, tu dois attaquer le train. Je voudrais t'aider quand même un petit peu. Ah, c'est cool ça. Bien, Aurel. Et je sais que t'es très actif. Sur les RS. Tu prends. Non, il faut mettre ton foulard. Donc c'est dans objet. Et tu chopes ton foulard. Voilà, et comme ça, ça se met en route. Ça y est, on me reconnaît pas. C'est ça. La magie du Splinter Cell. Gentlemen, it's time. Ah oui, je tiens à te dire, mon cher SnakeX, quand tu te mets en hors ligne, les gens ne voient pas que tu codiffuses dans ta liste d'aime. Enfin, tu codiffuses. C'est pour ça que je me suis mis en ligne. Ah bon? Bah oui,
Oh. Je te vois pas en ligne. You said it was fine. My fault. Come on. You're pathetic. You know that? Non, je te vois hors ligne, mon petit copain. Pas en ligne. Ah bah alors, ma liste ne s'est pas mise à jour. Quelle déception. J'ai pas mis pas vu ce qu'il avait comme connerie. Il est tombé. Check. Vous avez raté le train. C'est moche. Ah oui, t'es pas. Ah oui. Ah, c'est caillon. Ah, c'est couillon ça. C'est un train de la NCF. C'est pas mal, hein. Je pense qu'il va falloir que j'en fasse un gif pour les réseaux sociaux. Ah, je l'ai pas vu. Merde. Du coup, tu étais à sauter à côté. Ah oui, d'accord. Ah oui. D'accord. Lui il meurt pas par contre quand il va pas sur le train. Ah non. Normal. Oui. Par contre lui tu peux l'aider. Parce que je pense que si tu l'aides pas, t'es dans la merde. Appuie sur le bouton ici. Appuie sur le bouton. Allez. Ah oui, t'es pas sur PlayStation. Hein. Bon, pardon. Envoie une grenade à fragmentation. C'est ça. Il est aveuglant. Aveuglé. Remarque, t'as décolleté le molotov, hein, normalement. T'as encore avancé. Bouillon. Comment tu te la pètes, non? Il y a un choix des guerres. Ah. Dis-moi, je peux comprendre. Bon, après, hein, tu sais. Xbox Sonic, c'est un peu pareil. Hein. Est-ce qu'il y a trop de speed mat, vous savez, après deux semaines. Fouillez, j'ai dit. J'ai pas dit. Let's keep moving. C'est vrai qu'ils sont pas radins sur les corps. Ah non, mais tu vas voir. Je pense que c'est. Enfin, t'es pas dans un jeu. C'est pas... Ah, mais ton pote. Est... Ah oui, voilà, c'est ça. Ton pote, lui, il a avancé. Et du coup, il s'est fait baiser. Parce que toi, tu cherchais des. Bah moi, je fouille mes petits corps tranquilles, bah ouais. Bah voilà, c'est ça. Non, ça te laisse pas le temps. Ah, double fail sur le train, là. Non, ça, c'est moche, par contre. Ouais, c'est naze. Ouais, c'est pas terrible. Mais ça va, t'as les points de sauvegarde réguliers. Ah!
Envoie une grenade. Envoie une flèche. Flèche lourde. Oh, je fouille quand même, hein. Je perdrai pas du temps à faire ça parce que tu vas encore recommencer. Quoi? Ah oui, oui. Je dirais pas pourquoi je le sais, mais. X. Ou A, comme tu veux. Et du coup, Aurel, t'as une raquette aussi ou pas du tout? Ouais, mais sur PS4, il a dû prendre. Le pauvre. Non, on a le droit de chambrer Raphaël, mais pas les autres. Et des doutes, et des doutes. Donc là, tu vas voir. T'es parfait. Quelle glissade, Alex? T'as vu ça? Waouh! Je suis impressionné. Si tu pourrais faire ça en multijoueur, ce serait pas mal. Let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last bar. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. On ne veut pas de mort. J'aime beaucoup le. On ne veut pas de mort. Bon, je viens juste d'éliminer 7 ou 8 mecs. C'est ça. C'est cohérent. Mais sinon, tout va bien. Salut, Aiglan de Néon. 2, 1. De Néon. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. Winnie Loopson. La dynamite, ça c'est intéressant. Donc là, tu prends ta dynamite et tu vas la couler. Seems good enough. Here we go. Now light the fuse. Unless you've got a death wish, I'd step back, fellas. Ah, ouais, sûr. Ah bah voilà, ça fait une belle porte.
Salut Minio Street 67. We just want to rob your boss. Get on up there. Search that train. Salut mec. Voilà, on a une belle porte dans le wagon. Allez. J'ai dit X. Look at this place. It's like a palace. Now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh yes. Should be easy as cake. You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's keen. I'll give you that. Okay, let's see if we can get this open. Un petit coffre. Come on. Ouais, c'est ça. Faut que tu fouilles l'autre et après. Thank God. Come on. Alors, hop. Ouais, bon, a priori, y'a rien là. Salut, salut. Let's hurry this along now. Le tiroir. Bah oui, s'il y a des choses à prendre, on prend. Petite liasse de billets. Des cigarettes de qualité. J'aime bien, cigarette de qualité. Ça va avec les pansements. Non, pas les pansements. Les médicaments miracles. Oui, c'est ça. Mais t'as deux secondes là, tout de suite il est pressé. Laisse-moi finir de fouiller tranquillou, mec. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Let's ride. Ah, c'est toi qui choisis. J'ai une fâcheuse tendance à être gentil dans les jeux et con dans la réalité. Oui, je confirme. Ouais, aussi. Non, mais ça aussi. Ouais, non. Ah tiens, j'ai pas. Ouais, moi j'ai été gentil. Du coup, je les ai menacés. Get on the train. Quick. Et ils sont montés dans le train et tu fais avancer le train. Mais ah mais t'es comme ça. Pourquoi tu les tues? Ah ouais. Et pourquoi pas? D'accord. Ah ouais, t'es vieux. Il y en a un qui est pas monté dedans là? Non, toi je t'épargne. Non, je déconne. Ouais, mais j'en ai marre d'être gentil dans tous les jeux. À chaque fois je dis ouais, non quand même. Ah non, mais il est parti l'autre. Non, tu l'as tué. J'ai touché mais il s'est relevé. Ah ben, ça va être un témoin. Non, c'est... Attends. Retournez au train. Pour la question d'Oran sur le Xbox All Access en France, MS n'a pas communiqué dessus. C'est pas prévu. Oh non, il rigole ou quoi? T'as eu les réponses? Ouais. Non mais d'accord. Là, il rigole ou quoi? Oh là là. Mais oui, mais il t'a dit d'aller au train. Enfin, bah oui, mais je veux bien, mais le troisième il est en train de s'enfuir et je voulais le buter quand même. Mais oui, mais c'était pas prévu. Ouais, mais... Faudrait que ce soit... Donc c'est pas prévu, d'accord. Bon. Non. Le stream du fail, ouais mais grave. C'est ça, mais exactement. Mais rien, mais il s'en va encore l'autre. Eh mais pourquoi tu... Il est pareil. Mais parce que c'est moi qui choisis. Eh non, tu pouvais être cool. Tu le mettais dans le train, il partait dans le train... Non, justement d'habitude je suis toujours cool dans les jeux et... En fait non. Non, celui-là je serais pas cool. D'accord. Et comme ça. Donc non, oui, c'est pas prévu pour l'instant. C'est testé aux États-Unis. Voilà.
Ils viennent d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, aujourd'hui d'ouvrir la plateforme sur le net, parce que c'était limité avant aux boutiques Xbox. Et voilà. Voilà, c'est malheureusement tout ce que j'ai à dire, parce que je n'ai pas plus d'infos en fait. Mais c'est des infos toutes fraîches, hein, ça date d'hier. Donc voilà. Mais... En tout cas, pour la France, pour l'instant, pas de signe d'arrivée. Pas de signe d'arrivée, même si effectivement l'offre serait sympa. On a eu l'occasion d'ailleurs de faire des interviews des gens de chez Microsoft France hier. Donc on a posé quelques petites questions, c'était sympa, faut qu'on les retranscrive sur le site. Hop. Vol, petit train. Ah non, mais faut sauter sur le cheval direct, c'est pas la classe là. Adieu, train. Tu étais beau. C'est ça. Je sais pas où tu vas, je sais pas où tu t'arrêteras, mais tu y vas. So we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well then, let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Bon, c'est bon, on va pouvoir un peu s'acheter un peu de liberté dans le jeu là? Non, pas du tout. Oh merde. Non, je blague. Normalement, ouais, c'est ça, c'est la fin là. Enfin, c'est la fin du didacticiel. 12h30 de didacticiel quand même. Bien. Ah, je crois que Raphaël a rejoint notre groupe. Bonsoir Raphaël. Veux-tu accepter les notifications pour intégrer ta joyeuse voix, ta voix magnifique dans le stream? Ce stream. Voilà. Et du coup, on va pouvoir lancer du coup un podcast. C'est ça. Donc là, on vient de perdre 10 abonnés. C'est ça, c'est un peu comme léger. T'en perds 10, t'en récupères 400. Pour jouer, tu prends une manette. Alors, tu fais le guide. On a l'impression que Seb parle tout seul. Voilà, pardon, je suis désolé, 4 personnes qui nous suivent. 5. 5, pardon, désolé. Nous sommes 5. T'as pas le mixeur de. Ouvert? Ah, mais c'est peut-être pour ça que tu m'entends en écho, parce que tu m'entends dans la télé et. Et oui! Et oui, c'est pas grave. Ça change du cheval là tout de suite la caravane. Ah mais tu vas voir, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors normalement tu vas sur le guide et tu vas dans le groupe. Et quand tu vas dans le groupe, tu as au-dessus oh merde, inclure mon audio. Et voilà. Et là maintenant tu vas et pouvoir dire bonjour aux gens. Et bienvenue sur xboxlive.fr. Sur le hashtag. Hashtag la passion. Voilà, on a perdu 10 abonnés. Alors aujourd'hui, on va faire un tuto pour apprendre à changer une roue. C'est ça. Sur un chariot. Non, pas de hashtag. Pas de hashtag. C'est aussi facile que ça. Un racéal.
Le hashtag race, c'est pas mal, mais bon, ça fait. Voilà, en 5-5. Et sans crit. Ah, mais il est balèze. Sans... Oui. Par contre, tu te mets au bord. Là, tu pars pas tout de suite, mais tu te mets au bord de la rivière. Là, les effets de lumière. C'est ouais, assez bluffant. Ouais, j'ai trouvé que. J'avais l'impression d'être dans Forza Horizon. Alors, moi, chez moi, le HDR ne fonctionne pas. Je sais pas, ça fait. Est-ce que tu l'as activé? Oui, je l'ai activé justement et ça fait une sorte de voile blanc sur, sur l'image. Et j'ai vu des gars sur Twitter qui avaient le même, même souci. T'es en alpha ou en. Hashtag Caroju. Hashtag bêta. Live, ça va pas le faire. T'as essayé d'activer quoi? J'ai pas entendu. Non, quand j'active le HDR, en fait, ça fait un voile blanc sur l'image. Bah, remarque, je peux dire une connerie là, il est 23h45. Mais bon. Mais je veux pas le dire quand même. C'est un stream interdit au moins 18 ou pas? Attends, bah, tu peux pas désactiver ta voix dans le groupe? Si tu peux, tu me mets en mute. Vas-y, parle pour voir. Désactive plutôt le son de ton mixeur. Ah oui, bonjour. Plus simple. Parce que moi, t'es sûr de pas avoir de décalage. Alors, ok, c'est parti. Ah ouais, mais en fait, ils se sont tous barrés, les mecs. C'est-à-dire que moi, je perds une roue tranquille, mais les autres font « Ouais, ouais, t'inquiète, vas-y, change ta roue. » Ah ouais, les mecs sont comme ça, quoi. Je pourrais me faire déglinguer. Ils sont un peu fait plaisir sur les effets, quand même. Ah mais là c'est juste incroyable. C'est fantastique. C'est incroyable. J'ai pas l'habitude c'est... de ça. C'est unbelievable. Mais heureusement que le jeu vidéo est là quoi. Heureusement qu'on a cette option du jeu vidéo. Je troll. Non mais non, on parlera pas de. Faut pas parler de tout ça. Ouais non, pas de ça ici. Ici c'est un voilà, c'est un streaming sérieux et professionnel. Bah là effectivement t'es sur X et va sur Fat, tu vas voir ça fait mal aux yeux là. Là je suis devant. Ouais alors ça donne quoi sur Fat alors? Je sais pas si je peux envoyer un screen. Ah, je peux pas envoyer un screen sur le chat. Non, en même temps que le stream, quoi. Oui, exactement. je respecte autant okay. les salut viewers Len, que... Lady 0860. Ouais, salut Lady. Et bienvenue dans ce resto... Resto... Non, le goûter du jeu vidéo. Le minuit, c'est bientôt, ça sera le petit déjeuner du jeu vidéo, quoi. Le mange des pitchs. Attends, je vais aller chercher mon thé après, tu vas voir. Tu vas m'entendre souffler, ça. Oui, oui, à cette heure-là, c'est une dizaine. Un bon pisse bébé à cette heure-là. C'est ça. C'est pas mal le goûter du jeu vidéo. Ouais, c'est un bon concept. Ouais, ouais c'est un bon concept. Hein. Le pique-nique du jeu vidéo. La cantine, la cantoche. C'est ça. On se met une couverture par terre, une manette. Ouais, je suis assez impressionné, il y a pas mal de vie, il y a des animaux qui se baladent à gauche à droite. Non, par contre, ouais, c'est vrai que c'est ultra vivant. C'est vachement vivant en fait. Alors, Lenny, le jeu c'est Red Dead Redemption 2. C'est un jeu indé qui est sorti aujourd'hui sur Xbox One. Qui a été fait en 25 heures par semaine. C'est ça. Pendant 5, 7 ou 8 ans.
Oui, ouais, on sait pas trop. Donc là, il y a débat sur la jeu. Ça dépend si tu inclus les discussions ou non, en fait. C'est... Oui, ouais, c'est ça. Ah, mais j'essaie, les mecs, j'essaie d'expliquer à Lenny où t'en étais là. J'essaie de dire que Static, il était justement. Donc, il a fait. En fait, c'est Forza Horizon. Ça fait 2 heures. C'est. T'es con. Ça fait quoi? Ça fait 2-3 heures que tu joues, à peu près, quand même. Attends, ouais, je vais prendre un screen, puis ça pour les réseaux sociaux, je vais le faire, je vais le poster. On a joué à Forza Horizon, mais version 1900. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est une idée bien trop. Et donc, du coup. Alex, non, mais des impressions de vitesse quand même. Ah, mais ah putain, mais arrête. Bah, en descente, ça peut être pas mal. Ah ouais. Avec le poney dans le dos. Putain, à chaque virage, tu perds ta route et tu dois la remettre. Tous les 100 mètres, t'as un QTE. Avec le mien, un QTE. Stream sérieux, oh bah complètement. Non mais là, vu l'heure, on arrête d'être sérieux maintenant, les gars, c'est fini là. Ah, tu vois, et même en côte. C'est comme en cyclisme, les mecs ils vont plus vite en côte qu'en descente. Ah ouais, mais ils tapent dedans comme des sourds. Regarde, non mais. Ouais, mais attends, non, mais jamais je monte comme ça avec deux chevaux quoi. Mais oui, le mec il a pris son isostar avant de monter. Et ton cheval il est pas fatigué là? Ouais, mais peut-être tu l'as stimulé non? Tu l'as fait des petites caresses peut-être. Ah bah je l'ai fouetté un petit peu quoi. Enfin, tu l'as branlé quoi. Ah, je m'en fous. Ah, ça va, on a mis. Je l'ai stimulé. Non, non. Ouais, plus de 18 ans, mais dans la mesure, dans une certaine mesure. Oui, parce que du coup, après, on peut rediffuser le stream à n'importe quelle heure. Bah oui, c'est ça le truc, en fait. Bon, alors, on mettra un bip au montage. C'est ça. Et par contre, regarde à droite. Regarde à droite, tu vas voir le l'effet de soleil. Moi, j'ai l'impression d'être dans la petite maison dans la prairie. Là, c'est un peu le côté arrêt au stand de Forza, quoi. Alors bizarrement j'essaie d'avoir les mêmes trucs, les mêmes sensations de beauté sur Fat et j'ai... Bizarre hein. Oh, j'ai collé à mon écran. Et en forme fin du c'est ça. Ouais, heureusement qu'ils sont là quoi. Fin du alors... Ouais. Putain, moi j'adore le style de Dutch, je trouve qu'il est vraiment stylé ce mec. J'adore ses costumes ça. Très très classe. Tu vois, Sébastien, ça donne pas envie d'aller au Buffalo Grill quand tu vois ce genre de. T'as pas envie d'un petit Pony Express là, c'est vrai? Non, absolument pas. Un peu Pony Express. J'ai même pas envie de te parler. D'ailleurs, il faudra regarder s'il y a des restos Buffalo Grill dans le. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Ouais, ça peut être marrant. Ouais, on se rend bien, quand même. C'est beau. Et en 1080p sans HDR, c'est beau. Ouais, c'est bizarre. Alors, je sais pas comment il gère le flux parce que ta console elle envoie quand même. Oh, merci d'avoir abonné, Lenny. Ah, merci pour ton abonnement. Ouais, ça c'est cool. Maintenant, tu peux. C'est la première étape. D'un pouce beige. Alors, on parle du pape à Lenny ou quoi? C'est le partage, l'abonnement, mais. Et le pouce bleu. T'as droit à 6 mois d'abonnement East Coast Live Gold. J'essaie de suivre l'histoire, j'y arrive pas avec vos conneries. Non mais y'a pas d'histoire, on s'en fout. Là je peux te dire ce qui s'est passé. Là il fait un grand blabla là, et puis... Mais non, mais attends, on va t'expliquer. Donc là il leur dit qu'il faut aller travailler. Et il leur dit d'aller traverser la rue. Ouais, c'est ça. Mais exactement, en plus. Exactement. Sauf que les rues, c'est la rue, il n'y a pas trop de vie encore, mais. C'est ça.
Non, on fera pas de cul ce soir aussi. Ah oui, très stylé. Par contre, ouais, au niveau des coups de gère, faudrait rafistoler tout ça. Mais... Par contre, tu remarqueras, il dit il faut donner de l'argent dans la petite boîte, mais par contre, lui, il a des bagouilles. Mais genre. C'est grave. Grave, non, mais c'est gens qui réclament des 3 kilos. Et qu'il a de la thune. Putain, ça te rappelle pas quelqu'un, ça. Voilà, on va avoir des problèmes. Tu crois qu'on peut être banni? Non, sur le Twitter, c'est pas possible. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Il saura pas retrouver nos GT. J'ai vu. Mais tu vois déjà les manteaux, tu vois, avec la laine de mouton, tu vois, c'était déjà in à l'époque, tu vois. Oh putain, je vais avoir un succès. Voilà, on passe au chapitre 2. Ah si, il y a un succès quand t'as terminé le chapitre. Non. Arrête. Non, il n'y a pas de succès pour toi. Ah bon, d'accord. Putain, moi qui voulais le platiner ce soir. Ah oh, putain, mais ta gueule. Putain, ce mot, ça me donne. Ça m'énerve. Mais si, non, mais ça se dit platiner aussi. Mais ça se dit. Non, mais. Ah, mais. Putain, dans deux ans, c'est dans le petit Robert, hein, tu verras. Non, mais. N'importe quoi. Salut, Mini. Mini, si, 1, 2, 3, 4, 5. On remarquera que personne d'autre ne s'est compté après 5 dans ce chat. Ah, non, Lenny il a un 6 et un 8. Ouais, dans son il a solo, 8, donc, ouais. Ouais, t'es quand même. Et au relais, il est carrément 10 ans. 4K lui. Mmh, il fout 4K. Mais par contre, t'as vu, il est pas HDR. Non, ouais, c'est vrai. Bah, comme moi, tu vois, comme moi en ce moment. Bill, Charles et Javier. Bah, je pense qu'ils vont patcher ça. Ils vont patcher le jeu. T'as regardé si t'avais pas un patch pour ta télé au cas où? Ouais, j'ai tout mis à jour et tout. Non, mais est-ce que t'as téléchargé les firmware de la télé? Je vais les chercher sur le site de Samsung parce que. Enfin, over the air, c'est jamais les dernières versions. Et ce qu'il faut que tu regardes, Raphaël, c'est si t'as le patch 4K HDR de Red Dead Redemption 2 d'installer déjà sur ta console. Ah ouais, c'est pas faux ça. Est-ce que ton je vais aller voir. 1 Tera. Alors je vais te dire tout de suite, option. Option gérée. Alors, apporter des animaux à Pearson pour nourrir le corps. Il fait sens, ils auront la viande pour cuisiner leur peau. Bon, on va partir un peu à la chasse alors. Ah, j'ai des bonus. Pourquoi t'actives l'œil de lynx? Ça sert à rien. Parce que j'avais envie d'appuyer dessus, c'est tout. Mais non. Tu fais quoi dans le tomate là? Ah bah non, mais bah moi c'est. Mais oui, non, mais c'est ça. Non, mais le mec. Alors par contre, je suis assez déçu, c'est parce que depuis tout à l'heure, je ligote des gens et je les mets sur les rails et il n'y a aucun train qui passe. Ah oui. Mais je crois qu'il y avait un succès d'ailleurs sur la 3-6 avec ça, non? Exactement, ouais. Il fallait que tu mettes une femme et que. Tu la sauves. Il fallait les gens. Femme, ouais. Putain. Alors, je sais pas si c'était une femme, mais je me souviens d'avoir mis une femme, moi. Alors, Minimissi, t'es un youtubeur, je suis abonné. D'accord. Oui, ouais, on est... Bah, merci pour ton abonnement. C'est cool, merci. Pouce beige. Pouce beige. Merci, Aurel. Pouce marron. Bon, ça dépend où t'as mis ton pouce avant, quoi. Le pauvre Minimissi. Le live part en live. Alors. Les textures de végétation sont vraiment impressionnantes. On sent le vent, tu vois. Ouais. Mais tu sais, en fait, t'as envie de chanter en même temps, tu fais. Alors, par contre, là, j'ai découvert qu'il y avait les changements météo qui étaient. Qui étaient impressionnants. T'as tout d'un coup, t'as l'impression que tu vas avoir. Alors, impressionnant, mais en même temps, qui sait qu'il y a un test qui l'a critiqué Ah, je crois que c'est le test de Maxime Chaou, je crois. C'est jeu à cul, je crois. C'est pas jeu vidéo qui disait que les changements météo étaient. Ah, moi, le point négatif que j'ai entendu le mieux quand même dans un des tests, c'est le côté infiltration qui était moyen, quoi. Ouais. C'est vrai qu'en 1900, l'infiltration, on en parlait beaucoup. Et moi, ce qui me manque quand même, c'est les lunettes de vision nocturne.
Et après, en plus, voilà, après, en plus, ça, ils, ça peut ils être annoncent, un peu surfait, dans... je comprends. Hein. Ouais. En plus, ils annoncent pendant le au début du. Attention, jeu, messieurs, là, on a un nouvel abonné. Il n'y avait pas de loi, quoi. Abonné. Ah, nouvel abonné. Merci à toi. Salut, N7, Alex Didi. Alex Didi, c'est sans doute un fan de Mass Effect, du coup. Et de SnakeX, en même temps. Et Mini Messi qui s'est abonné, mais félicitations. Voilà, et qui vient de dévorer un super en même temps. Alors, oui, voilà. on joue sur Xbox One X, là. Le stream est sur Xbox One X. Et non, SnakeX n'a pas. Alors, si. J'ai joué. Oui, tu as joué, mais tu l'as pas. Non. C'est le testeur qui l'a. Exact. Un testeur anonyme. Non, on peut le dire, c'est Jockey Style. Et le test sortira normalement ce week-end. Après, quelques petits ajustements. Un 21 sur 20. Non, on fera beaucoup mieux que ça. On met un 76 sur 20. Ah oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, bon, alors, qu'est-ce qu'on a comme mission là? Parce que c'est bien beau, progression, ok, allez. Go. D'ailleurs, on va pouvoir. Encyclopédie, peut-être, on s'en fout, défi. On s'en ah, fout, t'as déjà fait 5% du jeu, d'accord. Ouais. Ah, mais ça va vite, hein. Ça va vite. Ah, ouais, ça va très très vite. Ultra court. Hein. Alors. Remarque, moi je suis sur FAT, mais j'ai oublié d'enregistrer. Ah, quel con. J'ai même pas regardé, en fait à force de parler j'ai même pas regardé ce que je devais faire. Alors tu appuies sur la croix directionnelle haut diagonale droite et là du coup t'as le Marine Canasson. Non mais c'est vrai, non mais tu peux, si t'appuies sur la flèche du haut, je crois que normalement t'as ton non flèche du bas, flèche du haut, je sais plus, non c'est flèche du bas, oh je sais plus. Non, je suis en train de faire. Ah non, c'est flèche de gauche. T'as le journal. Je sais pas s'il est filé. Serre des PC 1 sur 3, ok. Ah, du coup, on a perdu Raphaël. Raphaël s'est endormi. Merde. Non, je suis là. Toi aussi, tu joues à Red Dead Redemption sur Xbox One X? Pourquoi j'ai de la musique classique? Non, pas encore. T'as un petit truc là qui tourne, là, un gramophone. Ouais. Ah, je me souviens. Ah, est-ce que vous pensez que c'est le plus gramophone beau jeu du monde, c'était Nelly Olson, quoi. Ah oui, Nelly Olson. Eh ouais, elle en avait eu un. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est le plus beau jeu du monde, vous pensez? Je sais pas si c'est le plus beau, mais... Non, parce que le plus beau, c'est Cyberpunk. Ah, on va pouvoir lancer un hashtag Cyberpunk contre RDR2. Versus RDR2, ouais. Ouais, ouais, carrément. Non, mais là, j'avoue, c'est vrai que c'est assez impressionnant, quoi. Profondeur de champ, effet de lumière... Alors, profondeur de champ... Non, mais je te dis, j'ai pas vu de clipping, là. Alors, il y en a pas trop sur... Enfin, il y en a... Non, sur X, ça, je parle. Ouais, sur X, t'as pas trop de clipping, ouais. Non. Non, c'est propre. Hein. Alors, le clipping, pour ceux qui nous suivent, c'est quand des bouts de décor apparaissent en fonction de notre progression, enfin, quand on avance dans le niveau. Ça fait toujours bien crado, ça. Mais notamment, il y en a beaucoup dans Fallout 76. Ah putain, Fallout 76, ouais. Allez, je pense que là, les mecs, ça va leur mettre un coup au moral de voir le moteur de RDR2, quoi. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Ils vont faire... Ah ouais. Ouais, enfin... Mais ouais, même rien, t'as pas les mêmes. On passe dans le buisson, attends, enfin... Alex. C'est quoi ma télé, buissons, hein. Ma télé, c'est... Ma télé, c'est une Samsung OLED. C'est une caisse 8000. Pas OLED, n'importe quoi. C'est une caisse 8000 UE55 KS 8000, précisément. 165 voilà. Pouces. 165. Non, 1m38. 138 cm, je crois. Ça doit être 1m38, je crois, ouais, 55 pouces. Bon, il est où mon poney là? Donc, soit la taille de HDR 2, 12 ans. Ouais. Faut que je trouve un prénom à mon poney. Non, mais il a déjà un prénom. Ouais, mais moi j'ai envie de lui en donner un peu plus perso, tu vois. Chico, tu vois, un truc comme ça, enfin. Oh, ouais.
Ah bah c'est... Non mais c'est à cette heure là que t'arrives mec. Même Uber est plus rapide. Ouf. Oh là 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 là. Le mec qui vient de se prendre un coup de sabot dans les dents. Ah mais tu... D'accord, donc du coup tu joues de ton côté toi. Oui, ouais. Alors moi je... Alors moi, tu pourrais donner des conseils à Alex. Alex pour que, voilà. Non, absolument pas. Non, parce que moi je fais de la capture. Là je joue sur FAT et je suis en train de préparer la vidéo qu'on fera, qu'on balancera en début de semaine prochaine. Très bien. Et donc moi je m'amuse à chercher tous les endroits bien. Oh, oh là là, énorme. Ouh. Ah, mais, il a fait une action beau, incroyable. Ça ouais. Une galinette cendrée qui s'envolait, bam. Ah, putain, elle est où? Il l'a vu, il a tiré. Ah putain, elle est où? Elle est là. Elle est par terre. Ah, est-ce que tu peux essayer de zoomer? Alors par contre, il n'y a pas de mode photo sur Red Dead, alors ça, je suis plutôt déçu. Non, mais par contre, tu peux enlever tout l'UMD. Ah, cette violence. Ah, c'est énorme. Hop là, dans la poche. Dans la besace. Voilà. Je pense que ça fait un peu photo de... Tu sais, photo de pêcheur. Ouais, carrément, ouais. Un peu Eurofish dans l'esprit. C'est ça. Alors là, je vois que tu... Est-ce que vous allez vous procurer un iPhone XS? Oui, bah bien sûr que j'ai screené. Et du coup, ça fait ramer le stream quand tu stream. Ça fait ramer le stream quand tu screen. Ouais. Ouais, c'est pas facile à dire ça. On devrait dire ça à l'école. Ouais, ouais. Ça va remplacer la duchesse, tu vois. Et ses chaussettes R6H. Qui suce et qui pète. C'est pas ça. Tout à fait. D'ailleurs, quelque chose, un défi qui peut être très sympa à lancer à la communauté, parce que je trouve que c'est un peu en lien avec RDR2, c'est dire très rapidement chasse et pêche, pêche et chasse. Chasse et pêche et ça, et chasse. Ah ouais, ça, j'avoue. Je me suis fait avoir. Non, mais tu m'as bien eu. Tu m'as bien eu. Voilà. Bah en fait, moi, ça fait surtout penser à Jean-Pierre Chevènement, en fait. Dans le... Et on fait gagner RDR2 avant sa sortie, d'ailleurs, pour celui qui arrive à le dire le plus rapidement possible. Ah oui. On vous écoute. Bon, personne parle, bah vous avez perdu. bon, moi j'étais parti pour chasser. Par contre, tu peux pas plonger. Oui. Je suis assez déçu, tu peux pas plonger dans un lac. Tu peux pas faire de natation. C'est moche, ça. Et donc là, Alex, t'as fini le tuto là du coup. Là t'es en totale liberté, tu peux aller où tu veux. J'ai fini le tuto, je suis enfin libre. D'accord. Ouais, ça y est. Tu vois, je peux monter sur les rochers, chose qu'on pouvait pas forcément faire avant. Oui, tout à fait, c'est vrai. Voilà. Et là, ce que j'aimerais bien, alors c'est par contre, moi je trouve que le fait qu'ils aient mis le bouton de course sur le A... Non mais, alors Raphaël... C'est ridicule. Ouais, non mais j'ai fait la même réflexion et, je vais t'expliquer et Seb m'a corrigé la chose. Alors vas-y, explique-moi. Explique-moi. Raphaël. Oui. Raphaël. Oui. Est-ce que t'as déjà... Ta phrase ou... Non mais je marque... Ouais, je prends des cours de... Non mais on s'en fout, raconte. Tu prends des cours de quoi? Bon, tu vas dans les paramètres et tu mets en mode FPS le gameplay. Voilà. Ah, ah putain, d'accord. Raphaël, okay. Mais putain, tu changes la sensibilité de ta manette, non? Rarement. Rarement? Ah ouais, toi, t'es le joueur basique qui joue en moyen, quoi. Et qui va dire, je pense... le jeu il est rigide. Non, mais place au direct là, parce que Alexandre vient de récupérer du tabac indien qui pousse dans la forêt, quoi. Ah, attention. Oh là là. Vas-y, vas-y. Fonce, fonce, fonce. Ah, il est fort. Il est très fort. Oh, le cri. Est-ce que vous avez entendu le cri? Ah oui, oui. Ça ressemblait un peu à... Un râle d'agonie. C'est ça. C'est ça. Alors, ça me rappelle quand j'allais à Villars-les-Dombes, tu vois. C'est ça. Le par des oiseaux, tu connais. Là, c'est ça. Voilà, là ils sont pas beaucoup à connaître par contre, là dans le stream je suppose, mais... Sébastien, toi qui vis désormais à Lyon, il va falloir que tu te tapes le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. Ah oui, ah bah ça c'est une obligation.
Tu peux pas le rater. C'est super. C'est génial. Remplacer. Non, tu rigoles. Bah, en plus, c'est je peux pas emmener deux oiseaux en même temps. C'est sur la route du Buffalo. C'est une blague. Ah, ah bah non, parce que en fait, t'as pas précommandé le jeu. Du coup, t'as pas la salle magique où tu peux. Si c'est loin de chaque côté. Ah merde. Non mais quand on voit. Non mais quand je sais pas si t'as vu les objets en plus sur la version PS4 Pro. D'ailleurs qui ne tourne pas en 4K native. Ah, un cheval d'une race je sais pas. Une race supérieure entre guillemets. Et puis c'est tout quoi, voilà. Bah ouais mais ça change. Voilà. Non mais pour voilà. Ils auraient pu lui rajouter un petit bandeau de LED rouge à l'avant, tu sais, qui balaye de gauche à droite. Oui, oui, c'est vrai, c'est pas fou. Non, mais enfin. Et au lieu de siffler en appuyant en haut, tu faisais quitte. Ouais, en tout cas, c'est une belle pub pour la Xbox One X quand même, ce Red Dead. C'est clair. Parce que réussir à faire du 4K natif sur un truc pareil, c'est quand même un sacré défi. Alors pour l'instant, il n'y a qu'un seul site qui le dit quand même. Bah ouais, bah écoute, bah vas-y, capture. Dis-le. Non. On sera deux. Vous pouvez pas monter à cheval à l'intérieur du camp. Oh, ça va, hé, rabat-joie. Non mais par t'es contre, un bandit, t'es un hors la loi quoi. Il y a la caméra qui remonte à chaque fois là. Eh mais viens là, ça. Mais qu'est-ce qu'il fait lui, hé eh. Ah mais il s'est barré, bah oui. Ah oui, non, ça qui me frustre un peu, c'est dans les camps, les trucs comme ça. Tu, ah, il a le parc auto, toujours bridé. Il a le parc assist. Ah oui, d'accord. Il s'est attaché tout seul en fait. Mais c'est ça. T'as vu, c'est un cheval intelligent. Ah. Alors, par contre, c'est un peu relou là. Voilà, tu te mets en fait. Voilà, maintenant je peux enlever ma dinde. Ah, c'est bientôt Thanksgiving. Où c'est passé? Non, parce que c'est un. Cet homme se promène avec une dinde sur l'épaule. C'est avant ou après le Black Friday? C'est juste avant, je crois. Non? Ou c'est après. La veille, non? Ah, c'est la veille, oui, c'est la veille. Ah non, c'est une semaine après, je crois. Non. C'est vrai? Putain, on n'a pas un viewer. On n'a pas un viewer américain, là, qui nous regarde? Pour nous expliquer. Quand est-ce que c'est. le Black Friday? Oh, les mecs. Harder. Chez là. Ah, mais. Alors, je me suis téléporté. Non. Je me suis téléporté à l'instant là. Non. Ah, si. Mais non. Ah, bah si. Mais non, tu t'es pas téléporté. J'ai posé t'as fermé la dinde les et yeux. Je me suis téléporté. Non, t'as fermé les yeux. Ah, ça c'est décevant par contre. Ouais. Ah, oui, j'étais là. Et t'es plus là. Bon mec. Tu peux pas poser ta dinde. Je vais lui donner, là. Ah non, ça doit être là. T'as, on me demande de ramener de la bouffe, j'en ramène. Et genre, je peux pas. Oui, mais t'as pas fini le dédacticiel. Mais comment tu fais pour fumer la dinde, du coup? Tu auras une table ou un truc comme ça, non? Alors, envoyez beau lui, augmentez votre capacité de transport. Oh, ça c'est très saillant. Tout à fait. Avec un petit lézard sur le côté. Tu vas finir en crocodile Dundee. Ouais. Il a une classe lui, mais c'est. Il me fait penser à, ah ouais, penser à quelqu'un qui est dans le je chat. Je pense que c'est le. Je laisse planer le doute en disant pas le nom. Un mec que j'aime pas. Hein. Je précise. Tu peux planer le doute alors. Ouais, mais. Ah, attends, dinde, c'est quoi cette blague là? J'en fais quoi de ma dinde là? Non, tu peux lui donner la dinde là au mec. Reviens. Hmm. Regarde, lâché. Ah non, c'est lâché, d'accord. Bah non, c'est okay. Lâché, ça. Il non, c'est ça... Léché. C'est marqué léché, là, non. Ah oui. En fait, faut que tu la badigeonnes. Hein. T'as mis ce non, chapeau. Pour moi, c'était ici, quoi. Tiens, vous pouvez retweeter mon tweet, si vous voulez.
pour gagner en visibilité. Regardez, hey, je viens de la lâcher. Téléportation. Ah oui. C'est... Ouais, ouais, ouais. C'est assez original. Ah voilà, c'est un point en moins. Alors, c'est super, faut que je ramène à manger. Attends, t'avais un truc qui affichait sur le côté, t'as vu? Le lendemain de la genèse, ok. Les ressources de la bande s'amenuisent. Monsieur Pearson envoie Arthur et Charles à la chasse. Ok. Dans ce cas-là, allons voir Monsieur Pearson. Mais où est-il? T'es qui toi déjà là? Je peux juste lâcher ma dinde. Ah bah je suis mort. Lâcher ma dinde. On va le remettre sur le cheval. Et puis on va aller causer à Pépère qui est là, hein. Salut toi. Putain mais non. Tu perds de la thune quand tu meurs. Putain, j'avais pas fait gaffe à ça. Ah, comme dans GTA. Ouais, ah, désolé. D'accord, j'aime le respect. J'aime le respect de l'Arthur Millennium. Désolé, je n'ai pas fait GTA. Moi, tu sais, je me suis limité aux jeux indépendants. Du genre. Du genre Red Dead Redemption, tu vois. Est-ce que tu prends du plaisir? Non, mais quand tu joues à Red Dead Redemption. Absolument pas. Sérieux? Non. C'est quand même bien écrit. C'est bien doublé. Ah, je sais pas, moi, tu sais, je parle. Alors, par contre, tu vois, regarde là, sur le décolleté. Eh ben, il est pas terrible. Oui. Tu vois, c'est rigide. Oui, oui, c'est. J'aime. Les animations, c'est ce qu'il fait dans Cyberpunk. Non, mais, ah, oui, ouais. Non, mais c'est rigide, tu vois. Enfin, c'est ça que je. Ouais. Je trouve que les animations sont rigides. Ah, d'accord, faut que tu conduises ces femmes au. D'accord. Au bordel. Au bordel. C'est ça. Il y a plus de respect. Mais non. Non, non, au travail, voilà. Okay. Bah, oui, au bordel, quoi. Il y a pas de sous-métier. Alors du coup, dans le chat, on me demande est-ce qu'elles avaient le droit de vote à l'époque. Non. Donc non, parce que c'était avant 1944. Seul le droit de cuissage était autorisé. C'est vrai. C'est vrai. Ah, par contre, il n'y a pas d'impôt là. Par contre, je viens de publier. On parle de Red Dead Redemption. Je viens de publier une news sur Fallout et j'ai mis une image de Red Dead Redemption. Ah, d'accord. Normal. Ah, d'ailleurs. Ah, dommage. C'est moche ce qui t'arrive, mec. Oulala, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, ce qui est fort, c'est que il y a plein de petites animations comme ça. Oui, bah tu sais, comme c'est tout bête. Et ça, la je sais route, pas comment c'est généré. Voilà, il y a un coup qui part. Non, mais ça, c'est marrant. Bah tu vois comme la première fois que tu chasses une biche, quand tu tires sur la deuxième biche, fatalement elle va agoniser pour que tu puisses voir un peu l'émotion quoi. Ah Poupi qui s'est abonné. Bah écoute, merci Poupi. Merci Poupie, d'exister, merci. Regarder ce stream. Ouais. Mais merci. Oui. Merci de nous regarder, merci de nous soutenir. Oui. Voilà. On a beaucoup besoin. De nous supporter surtout. Bah surtout Raphaël. Oh merde, bah non. Le cheval est coincé par un buisson. Ah, d'accord. Étudier.
Oui, t'étudies les races. Alors, c'est ouais, bah, j'ai étudié le cheval. Alors, c'est un chir. Un cousin des purs sang arabes. Je me suis renseigné sur le. Sur les différentes races. Guider. Alors, guider, caresser. D'accord. Alors, guider. Ouais, ah, ça d'accord. Ça me rappelle l'histoire. Non, je déconne. Avec Seb, justement, à la Gamescom. Avec Philippe. Ou après l'avoir guidé. Je t'ai caressé, c'est ça? Je m'en souviens même plus. Ah non, mais la Gamescom, c'était la fête à la saucisse non. Pour vous. Mais grave. Qu'est-ce qu'on a bien mangé en Allemagne? Oh, c'était génial. Non, mais regarde le muscle de. Le meilleur souvenir de l'Allemagne. C'est magnifique. Regarde cet arrière-train. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir joué au premier. Alors, Poupie, non, c'est pas nécessaire d'avoir joué. Pas du tout. Parce que c'est un préquel, RDR. Justement. C'est un préquel du premier Red Dead Redemption. Donc, au contraire. Y'a pas de soucis. Ce qui est normal, vu qu'il s'appelle 2, donc il se passe avant le 1. Mais en fait, quand t'as joué au 2, après tu peux jouer au 1. Tout à fait. Tout le monde a compris? Good boy. C'est, ouais, c'est peut-être mieux de commencer par le 1. Non. Pas par le 2. Non. Non, tu peux faire le 2 et puis après tu fais le 1. En plus, il est optimisé 4K sur Xbox One X, donc tout à fait. Tu verras pas la différence. Tu es juste un peu dégoûté quand tu lances le 1 après le 2, mais... Non, tu verras pas la différence. Oh, il est encore correct, hein. Ouais. Non, tu verras bon, pas la différence. C'est bon. Eh mec, tu me files quoi, là, pour avoir sauvé tes deux poneys, là? Que dalle. Je pense que tu devrais lui mettre une balle dans la tête. Parce que là. Tu vois, attends. Mets-toi devant, mais voilà. Mets ton ceinturon de ceinture. Non, ton ceinturon de ceinture devant lui, là. Voilà, comme ça. Maintenant, tu fais avant-arrière. Voilà. Ah, d'accord. Petit service entre amis, quoi. Ah, bah écoute. Et en plus, devant des femmes chastes et. Et lui, elle veut être super chaste. Elle veut être payée, elle. Ah, d'accord. Ah, par contre, on sait qu'elle a la robe jaune. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais. C'est chelou. Ouais. Tu vois, voilà. On peut penser au rideau sa vie, de le petit train. Le petit cheval à côté qui traverse comme ça. C'est sublime. On peut passer comme un bourrin. Ah ouais. Personne gueule. Ça sent les moutons ici. Ah tu vois ça qui me frustre un peu. Dès que tu rentres dans une ville, tu peux plus courir, tu peux plus. Tout devient lent. Ah mais c'est très joli, on se croirait dans un. On se croirait en Ariège en fait. Ouais, t'es jamais allé en Ariège. J'ai même pas envie de te répondre. Ah, bah essaie d'aller au saloon, tiens, pour voir. Ah bah pour l'instant, je vais aller déposer mes femmes de joie. Voilà. Ah, essaie de zoomer sur les traînées de ta chariote. Voilà. Ah, tu peux dézoomer J'ai. C'est très très bien fait, ça. Non, ça va la masturbation, vous avez fini? Est-ce que vous avez joué à Assassin's Creed Odyssey? Oui, je l'ai terminé. En 40 heures seulement. Et j'avoue que je n'y jouerai plus jamais. En fait, j'ai préféré originaux. Au final. Pardon, je les vois, mais l'univers égyptien me botte un peu plus. Ouais, c'est vrai. Bah, ça fait un peu Reddit de. Tu sais, avec Rome, etc. Comme c'est la même architecture, plus ou moins. Pourtant, aller chez les Grecs, c'est quand même tellement mieux. Ouais, par contre, j'ai aimé que tu puisses coucher avec des chèvres, des hommes, des femmes.
vrai qu'à l'époque il n'y avait pas de loi contre ça donc. Ah non, mais c'était free. Hein. On se posait pas la question en fait. On se marie avec sa cousine en toute impunité. Sa sœur même. Non, ou sa sœur. qui est aussi sa mère. Aussi, oui. Non mais j'ai lu dans un article que c'était très bon pour l'espèce, un peu d'inceste dans le patrimoine génétique. Enfin, je suis très sérieux. Je rappelle que ce stream va pouvoir être diffusé ailleurs. Donc je pense que ce sujet est à aborder avec de grandes pincettes. Plenty out on the shelves, but I got more out back. Whiskey's on the top shelf, nearest the door. Alors, qu'est-ce que tu peux acheter dans cette boutique? Des épices? Il faut que j'achète du café. Alors, liqueur. Where is the coffee? I don't know. Maybe. Lemon. Salut, Taz Dingo. Oui, effectivement. Salut, oui. Oh là là, non, les gars, chut, attention. Ça va déborder, ça va pas le faire, les gars. Ah oui, je le dis. Tout, oui c'est sûr. Ça peut déborder très rapidement. Du nord, donc, ouais. Ah non, c'est des bonbons que j'ai acheté, je pensais que c'était du café. Il est où le café? Attends, c'est 3$ les bonbons? Eh, mais attends, ah ouais, c'est 1900. Ah, mais d'accord, ok. Je sais pas combien le SMIC était à cette époque-là, mais. Quelqu'un a vu le café quelque part là, parce que là je dois acheter du café, mais. Bah, du coup, le SMIC était très bas et du coup, tu devais louer tes enfants. Essaye de prendre du viandox. Ou des cachous. Ah oui, des cachous. Des cachous. Bah, justement, parce que comme c'est Halloween et tout, du coup, j'ai pris des bonbons pour les gamins qui vont venir te kill. Et j'ai pris des 40 sacs. Alors. Du coup, ma femme me dit, mais tu vas pas prendre des 40 sacs. J'ai pris les... des fisherman friend. J'imagine, les gars. Non, mais tu rigoles. Les gamins en train d'hurler dehors. Une fois, j'étais en galère et j'avais donné une tablette de chocolat, mais tu sais, chocolat pâtissier, tu vois, pour faire des gâteaux, tu vois. Ah, non, mais le gamin il vient toquer, mais je voulais pas briser son rêve, quoi. Je savais pas quoi faire, je le garde dans le tiroir. Mais... J'ai voilà. Des tomates cerises si tu veux. Alors, remarque, ça pourrait être le coup, ça, je vais acheter des carottes. Ça ressemble à des dragibus, mais ça a pas le goût de dragibus. Alors, par contre, alors. Taz Dingo nous dit dans le chat, tu peux les mettre aussi dans le congélo. Alors ça c'est un truc qui vient de chez nous. Alors dans le 01 c'est très connu, c'est une technique qui est utilisée depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Effectivement ça fonctionne. Vous avez plutôt switché sur les enfants sans bras là je crois. Ah oui, tout à fait. Alors ça c'est une autre spécialité du 01. Alors c'est un village qui s'appelle Doria. Et en fait dans un rayon de 7 km. Non, 12 km pardon. Et ben en fait, t'as eu 7 à 8 naissances avec des enfants qui sont nés sans bras. Et on ne sait pas pourquoi. Et ce n'est pas génétique. Donc voilà. C'est le mystère du 01. Sauf si le père est même. Oui, aussi, oui. C'est plausible. Voilà, bon, on coupera ça au montage. Hein. Ouais, mais je pense que. Ah, attends, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui se fait malmener là. Je pense que là, Alexandre. Je crois que je peux aider le mec ? Oui. Vas-y, essaye. Essaie de mettre une balle dans la tête à la femme. LT. Non. D'accord. Ah ouais, t'es comme ça toi. Ah, je peux pas tirer ! Ah, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des couples interraciaux ? Ça, c'est la bonne question. Alors je pense qu'il y aura bientôt un article de Numérama parce qu'il n'y a pas d'asiatique encore dans le. T'en as pas croisé. Je l'ai pas croisé pour l'instant. Ouais. Je suis surpris. Alors tu vois, il y a beaucoup de détails, mais tu vois, ça aurait été sympa que Arthur Morgan puisse uriner, tu vois, contre les.
contre les portes du saloon. C'est vrai, ah, c'est pas l'ouverture de la porte. Oh, la violence de l'ouverture de la porte. Il y a plus de respect. Il y a plus de respect. Wiki, wiki, wide, wide, wide. Non, non, non. Non, je sors pas mon flingue. Alors, avec un type remarque. Ouais. Non, mais il a le nez rouge, hein. Il a le nez rouge. They're in 2B upstairs. Are you a friend of his? A friend of hers. Chambre 2B. Allez, on va se marrer. Est-ce qu'il y a des filles de jour? Tu claques ta thune direct. Par contre, le mec qui a colorié la carte en bas là, va falloir que je lui parle. Parce qu'il déborde vachement, je trouve. Le jaune, il sait pas le colorier sur la carte. Oui, c'est vrai. Ouais. Mmh. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ah, là, je peux défoncer la porte. Cool. Ah, c'est vraiment des. Parce que la menuiserie de l'époque, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Non. Oh! Ouh là là! Ouh! Ah bah voilà, couché sur lui. Bah fouille-le maintenant. Ouais. Ouh, oh mec, qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Ouh là là. J'adore parce qu'on voit quand Alex il scream, parce que du coup ça bloque l'image. Oh! Ah mais regarde-toi dans le miroir, Alex. Miroir dans la chambre. Est-ce qu'il y a un reflet? Ah bah comme dans oui, PUBG, tu vois. Okay. Dans PUBG, ils l'ont fait aussi. Keep investigating. I will. Je pense qu'elle va te remercier et qu'elle va te payer en nature, je pense. Je propose qu'on trouve une grand-mère interviewée pour parler de la qualité de la broderie. Ah oui, tout à fait, oui. Non mais j'avoue, c'est oufissime. Non mais on se rend pas compte hein, mais... Non mais c'est marrant parce que tout le monde se paluche sur les détails de Red Dead Redemption. Mais putain, mais t'as des jeux, c'est pareil quoi. Donc Non, non, non. Mais si, ah, mais non, y'a pas... Non, non, t'as... Non, la broderie non, comme des ça, jeux... même dans Assassin's Creed Redemption, on a pas vu ça quoi. Non, sur Unity, tu regardais autre chose. Alors, je sais pas... D'accord. Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? No, sir. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellers. Me? No. Ah, il y a Granny Team Racing. Listen, buddy. Come here. Nous a rejoint. Merci pour ton abonnement. Salut, mec. I don't like this. Me neither. Granny. Je disais Granny, monsieur. Granny, c'est autre chose. Just a word. Parce que le chat est sponsorisé par Granny. Non. Oh non, tu l'as perdu de recherche. Je sais pas, je suis le rouge sur la carte. Et ce serait bien de faire un peu de la mission, histoire qu'on avance un peu dans le jeu. Il est où là? Ah si, tiens, tu vois? Regarde. Ouais, c'est vrai que Rise, tu vois, j'aimerais bien un Rise 2, tu vois, avec le moteur de Red Dead, tu vois. Je pense que le gars, il s'est fait mal. Ah, oh, c'est du script, oh, comme dans Call of Duty. Non, non, j'ai fait le wrong, partner. J'ai fait le very wrong. Now, please help me up. Je pense qu'il met une bonne balle dans la tête, là. Ah oui. Ah, mais t'as une barre de karma, j'avais pas fait ça. Vous avez perdu de l'honneur. Oh non. Ah, mais je te jure, dans ce jeu, je pense que je vais perdre tout mon honneur. C'est ça qui est bon. C'était déjà ouf. Non, mais c'est Rise, quand il est sorti, c'était un truc de dingue. Salut Granit. Non, mais même encore aujourd'hui, il reste impressionnant. Non, mais il est complètement dingue. C'est, ah ouais. C'est le jeu, on sait pas comment il est sorti de là, mais. Et en plus, la fat au début, quoi, c'était. C'était pas Jojo, quoi. Non, mais c'est ça.
C'est au mec que j'aurais. Ce jeu-là, il t'en foutait plein la tronche, quoi. Ah ouais. Ouais, Crytek, c'est clair. Ah mais Crytek. Crytek, ils sont pas bien là. Hein. Ils sont pas foufous Crytek là, en ce moment. Ah mais ils vont se relancer avec, tu vois, la rétro de Crysis 1, 2, 3, tu vois. Ils vont remonter dans le game. Non, putain, sur un jeu là. Avec Xbox. Ah ouais, une exclu. Ah, oh, je sais plus en tête. J'en avais parlé. Hashtag JC. À la Gamescom, tu vois. Attends, je vais aller voir le bistrot du jeu vidéo, ce qui. Bah voilà. Eh, ah, ce serait pas mal pour faire un petit spectacle à cheval comme ça là. Il va dans l'autre sens. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment très très beau. En arrière, sur le côté. Est-ce que tu peux essayer de te vautrer dans la boue pour voir ce que ça fait? Il fait quoi lui? Ah mais... Eh mais... Ah bah voilà, parfait. Ah mais c'est excellent. C'est excellent. Eh mais... Ah non, ton chapeau. Je pense que... Alors par contre, non, mais... Non, allez, non. On tape pas sur un mec qui a une alopécie... Non. Ah mais je sens le coup, toi, mais d'accord. Ah mais tout à fait. Oh là là. Ah merde, je suis en mode 5 étoiles. Ah non, mais t'es le démon de la ville. Bah ça va, t'as de la chance. Eh, beau nouveau thème. Oh putain, ton chapeau. Non, non, mais ramasse ton chapeau. Hein. Casse-toi, allez. Ah, je suis en mode 5 étoiles, là, arrête. Il y a les hélicos dans 2 minutes. Je suis là. Putain. Voilà, oh, y'a le shérif là. On peut même plus planter. Oh merde. Il a mis son GPS, il me suit. Je vais me faire passer pour un train. Tu crois que ça marche? Chou. Ah, par contre, quand tu voles un train, tu peux faire sonner le train. Et ça, c'est bon, ça. Par contre, tu peux pas être obligé d'appuyer sur A pour qu'il soit tout le temps alimenté. Je suis un peu déçu, tu vois. Tu peux pas le mettre en mode régulateur. Et puis. Oh, tu vois. Ah oui. Ouais. C'était à tenter. Ah bah, non mais là, voilà, on est sur un jeu réaliste quand même. Désolé, j'étais obligé. Ah non mais par ça, contre, c'est ça, dommage se tente, parce que... ça se tentait. A priori, on pouvait être démembré, tout ça. Là, du coup, j'ai pas vu le cheval éclater. Je me cache. Ouais, parce que du coup, quand les mecs à la SNCF, ils se balancent sur les... Sur les trains, ça, c'est pas cet effet-là, hein. Non, Raphaël. Non, mais voilà, ils appellent jusqu'au bout du conseil, je veux dire. Non, mais... Quand on a à faire des détails de broderie, tu vois, tu peux au moins faire ça. Là, par contre, t'as mis ta manette à recharger, non? Oui, ça s'entend. Ah. C'est pas que ça s'entend, c'est désagréable. Pourquoi? Ça fait un bourdonnement. Ah, c'est toi ce grésillement. Ouais. Attends, je vais débrancher. Non, mais c'est pas débrancher, débrancher. C'est. Va prendre des piles et puis. Mets des piles dans la manette. Et là, non? C'est pareil. Mais c'est pareil. J'ai plus de chapeau, je suis un peu deg là. Non, mais tu peux en voler un. Par contre, tu peux pas faire de... Tu peux pas faire de saut dans l'eau, tu peux pas te la jouer à l'Assassin's Creed, tu peux pas monter, tout ça. Ah mais direct tu te fais taper quoi. Le mec tu passes à côté, tu te fais taper. Mais non mais c'est parce que tu l'as pas salué. Je crois qu'il y a un truc de voler. Ouais. Oulala, Par contre les animations sont... Attends, tu avais peut-être un chapeau. Ah oui, oui. C'est ça. J'essaie de le guider, voilà. Ah
Ça te va pas. Il est complètement dégueulasse. Ah voilà. C'est dingue cette ville. Tu frottes quelqu'un, le mec il te tape quoi, direct. Ah ouais, mais non mais c'était vachement agressif. Hein. C'était pas... Ah lui il est parti me balancer là. Oui. Ah, là, c'est là. Ça. Non, il est parti me balancer. Problème de sécurité. Allez, ça c'est, je suis repassé en mode 5 étoiles là. Oh là 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 là. Non mais t'es un justicier toi. Ah son chapeau est déchiré. Je me crois dans Batman. Il manque les petits flashs au-dessus de la tête là pour contrer. Ah putain, tu peux faire du tapotage à distance. Du tapotage à assister. D'accord, ah, du coup t'as gagné de la santé tu vois. Ouais, d'accord. Tu peux tout régler avec la manette. Ah d'accord, ça tient. Oui. Ok, d'accord. Plus de respect. Ok, mec. Dans l'œil. DJ clip. Oh punaise. Tu remarqueras que dans le stream, tu as pas beaucoup hein, quand même. Oui, ouais, c'est vrai. Pardon ? Comment ? Il meurt plus souvent que moi sur Dark Souls. Ouais, mais là, j'aime bien arriver dans une ville et foutre un peu le bordel, quoi. Je teste l'IA. Alors, du coup, est-ce que t'as encore recherché ? C'est la bonne question. Probablement. On a même la température, mais c'est énorme, ça. Ouais. Oui, Météo France à cette époque. Je pense qu'on va quand même pas tarder à arrêter. Même si je m'en lasse pas. Moi je cours avec des écureuils, c'est génial. Ah, j'ai vu comment il s'appelle, l'ancien boss de Lionhead. Comment il s'appelle ? J'ai vu, son nom m'échappe. M'aidez pas les gars, le créateur de fables. Alors, créateur de fables, Peter Molyneux ? Voilà, Peter Molyneux, qui a pris un screen ou qui a vu une image du héros avec le chien à côté et qui disait « Ah, je suis encore content que Fable inspire les développeurs. » D'accord. Voilà, donc dans 100 ans, il y aura encore des cow-boys avec des chiens et je pense que tout le monde pensera encore que ça vient de Fable. Non, lui, il pensera... Fallout aussi, Fallout c'est un hommage à Fable. Oui. En fait. Ah bah complètement. Exactement. Ah oui, complètement. Tintin et Milou, c'est Fable. C'est un hommage à Fable. C'est un hommage à Fable. Rantanplan et Lucky. La Siche infidèle. Ah oui, là, ouais, tout à fait. Ah bah, la Siche. Ouais. Hommage à Fable. Ah mais, exactement. Il y a trois mecs en train de mater le cul du cheval. C'est bon. Hello, sir. Fable a copié sur Tintin, clairement. Tout à fait. Tintin et Mulou, Tintin qui est belge, je crois. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a de la communauté belge qui est présente dans le stream? Est-ce que ça compte si moi ma mère est née en Belgique? Ah oui. Bah comme Johnny. Voilà. Et en plus le film Johnny a été tourné dans ma ville. Sérieux ? Ouais. À l'école de ma fille en plus. D'accord. C'est là où Alexandre est maire. Non, je suis pas maire. Non mais tu fais partie de la communauté de communes. Mais tout à fait. Et maintenant c'est plus moi qui bosse à la mairie, c'est ma femme qui bosse à la mairie. Ah, par contre, je trouve que les planches sont un peu trop droites pour l'époque. C'est un peu trop rectiligne pour l'époque, je trouve.
Alors vas-y, est-ce que tu peux essayer de zoomer sur la lame de bouton pour voir si... Ah ouais. Mets-toi en mode zoomer alors. Mais si, mais tu te mets en mode... Mais tu vois, il mettrait un mode photo sur un jeu là. Mais non, mais tu te mets en mode vue à la première personne. Ah vas-y, essaye de te mettre. Pour ça, je suis obligé d'aller dans le... Mais si, mais non. Non, alors vas-y. Alors Sébastien, voilà, explique-nous. Voilà. Non, j'ai pas envie. Personne n'utilise ce bouton. Mais si. Ah si, attends, c'est bon. Voilà. Voilà. Ah mais c'est ouf, hein. Bah tu vois, c'est au niveau de The Tycoon, tu vois. En termes de détails. Ultimate Edition. Non, mais... Ah moi je suis plus sur Farming Simulator 2019, mais... Ouais mais voilà, on a pas vu tourner encore. On est sur le stream de xboxlive.fr, donc voilà, on met en avant nos partenaires commerciaux. Ouais. Non, non, puis bah surtout les jeux first party quoi, enfin c'est... ça reste une exclu Xbox One quand même. Ouais, tout à fait. Et pas des Ouais mais ça compte sur PC. Il était sur PC. Ça compte. Ouais, si, il est Xbox Play Anywhere. Ah oui, en plus. Et ouais. Windows 10, c'est un peu de la Xbox. Ouais, non, on a tous un peu de Xbox en nous en fait. Bon, du coup, Sébastien, on part à quelle heure hein, du coup là, vendredi Xbox One Fest. Alors, on part vendredi dans la nuit de dimanche à lundi. Ah, oui, entre. À 3h du matin. En sortant du Buffalo. À minuit moins une. Très bien. D'ailleurs, s'il y a des gens qui habitent à Mâcon, n'hésitez pas, on passera avec le bus. Et. Ah, bah, moi je peux te remplir une bagnole à Mâcon, hein. Je demande à quelques potes, y'a pas de soucis. Hein. Ah. On monte tous en bus. Bon, alors, cette carte, comment se présente que Alexorus nous a réservé. D'ailleurs, si tu regardes ce stream, je te salue bien haut. Oui, ou bien bas. Non, bien haut. D'accord. Comment on repère son campement là-dedans? Eh ben non, tu peux pas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Oh putain, il est con. Ah mais si, c'est là. Arrête tes bêtises. Non, tu vois, et attends. Là, tu fais comme vois, on a perdu un viewer. J'ai besoin de followers. Putain, il y a pas de... Oui, c'est vrai, il n'y a pas de système de followers là. Il n'y a pas d'IA. D'accord. Et puis il n'y a pas d'IA. Alors, dans le chat, y a... si vous n'avez pas mis un pouce bleu, on va vous kicker là. Par attention. Alors, Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer comment faire un don sur le chat? Ah Merci, Tatingo. Ouais, mais pour l'instant, Seb ne peut pas expliquer. Enfin, comme il n'y a pas de don monétaire, c'est d'autres dons. En parler de vive voix, c'est... Ah oui, oui. Voilà. Exactement. Surtout qu'il voilà, il faut s'enfermer dans une pièce avec un magazine et tout. Enfin, ah, t'as besoin d'un magazine, toi. Là, t'as pas d'imagination. Ah. Non, mais en fait, dans la pièce, la data ne passe pas. Salut, les box. Salut, les box. Ah oui, alors... Par exemple, on serait enfermé dans cette pièce avec ces fameux magazines. que tout le monde aurait touché depuis 15 ans. Ah, oui, déjà, dans quel état serait ce magazine? Je ne sais pas. En 4K? Non, on sait pas quoi. Oh putain! Baz! Mais non, mais. Oh, mais non! Alors. Je tiens je tiens à mettre les choses au clair. Taz connaît bien. Non, mais socio-économique, scientifique. C'est un ami à toi? C'est un ami à toi? Non, parce que là quand même faut le savoir.
Ah non, mais je me suis très connu. Mais t'es connu. Putain, mais on a un mec avec nous qui est ultra connu. Mais c'est ouf. Son pseudo aussi, alors, si vous voulez le suivre, c'est Dark Scuderia. Sur Twitter. Ah, d'accord, ok, d'accord. Voilà. Quelqu'un qui officie en Belgique. Been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all c'est I need. C'est toi, Dark Scuderia. Okay. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. Nous on part chasser de nuit. Quoi. À l'aise, tranquille. Ouais, on a plus peur des chasseurs. Hein. Parce que le jeu de nuit est très beau. Bah oui, parce que tu vois vachement bien. C'est vilain. Oui. Mais c'est vrai que tes yeux du coup sont plus performants la nuit, du coup tu peux voir plus les détails de nuit. Bah, je crois que je moi je suis nickel. Non mais oui. Non mais c'est logique. Ouais. La plupart des mecs, si vous avez joué l'un ou l'autre au casque, hein, il y a des bruits de partout. Ah non. Non, moi je joue avec des écouteurs. Est-ce que le jeu est compatible avec Dolby Atmos? Est-ce qu'il est quoi? C'est une bonne question, ça. Ouais. Ça, tu vois, avec un réduisant, tu vois, ça peut être fou. Je suis pas. Non, mais t'as aucun jeu qui a l'option intégrée. C'est la console qui gère le truc. T'as Assassin's Creed d'origine, il était en Dolby Atmos. Ah ouais? Ouais, tous les jeux le sont pas. Ouais. Et t'avais aussi Rise of Tomb Raider, je crois, qui était en Dolby Atmos. Ah, c'est des jeux récents, c'est pas des jeux qui ont mis 8 ans à se développer. Du coup, ils ont pas dû prévoir. Pour revenir à mes. Je sais pas si c'est 5, 7, 8 ans. Bah, moi j'avais pas payé la licence, j'avais essayé pendant 15 jours. Et après, que j'avais acheté un casque un peu poids, mais c'est vrai que j'avais pas senti beaucoup les différences. Qui était compatible. Mais après, je pense que voilà, si tu veux. S'il faut encore acheter la licence 15€, acheter un casque à 150 balles pour profiter du truc, ça fait un peu cher. Ouais, bon, hey, t'as bien acheté une télé 4K à 1700€. Non, j'ai acheté 790, plus 60€. C'est 700€ de trop. Bah non. Parce que elle a une dalle 10 bits, déjà. VA. Putain, tu dois en prendre. Tu dois prendre cher, ça. C'est une 120 Hz. Et j'utilise le HDR à 1000 nits. Ouais, le HDR qui fonctionne. Niveau performance. Oui, qui ne fonctionne pas sur. Sur Red Dead. Voilà. Du coup, Test Dingo et Playback, est-ce que vous avez acheté le jeu? Est-ce que vous possédez ce jeu? Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha. Sinon, on peut le faire gagner à partir de 70€ de dons. Non, 46,40€ si on va à Carrefour d'à côté. Ouais, mais non, nous on n'est pas c'est pour, la sortie, hein. Après c'est mort, hein. Le prix remonte. Ah ouais, alors Tazdingo, moi le jeu je l'ai fumé juste avant de. J'ai terminé, je crois, mercredi. Je voulais le terminer avant de me mettre sur Red Dead parce que je savais que je n'allais plus jamais toucher. Et ben, de toute façon, Odyssey, au bout de 30 heures, le jeu il était plus. Non, c'est effectivement Red Dead, c'est pas les mêmes missions à chaque fois. T'as 1 million de missions qui sont différentes. Quoi. T'as pas de quête FedEx, pas de tout ça. Quoi. Pour l'instant, on sait pas. DHL, UPS. Ouais, c'est ça. Non, mais déjà, là, par exemple, là t'as escorté des femmes pour les emmener au bordel. Ouais. Tu vois, c'est déjà ça. Effectivement, tu as raison d'attendre ta One X pour le faire parce que ça fait ça pique les yeux sur une autre console. Ouais, parce que Playbox, c'est vrai, ça pique les yeux sur FAT parce que c'est même pas en 900p, c'est en un cran en dessous encore. D'après les tests de raffinement. 110 heures, Aurel. Ah ouais.
Ah ouais. Ah ouais. Mais t'as eu raison. Respect. Parce que je pense qu'il vaut le coup. Beaucoup plus que. Du coup, t'as platiné le jeu alors. Ah putain, ta gueule. T'as tué tous les. Attention, par les minotaures. Les cultes. Cosmos. C'est bon. Alors, Playboy, est-ce que t'as une télé 4K aussi? 4K HDR. Alors, t'es pas obligé d'avoir une X et d'avoir une télé 4K parce que t'as le super sampling. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui jouent en 1080-60 du coup. D'ailleurs, putain, il n'y a pas de mode performance sur Red Dead. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mm. En même temps, sur pas sur Fallout non plus. Ah, ouais. Ah, bon, alors, sur Fallout, ça se comprend parce qu'il est déjà à 900p. Pardon. Pardon, Bethesda, si tu m'écoutes. Ah. Sérieux, il est pas 4K? Non. Si, il est 4K... Ouais, je peux acheter un cheval, mais je fais comment, là? Si. Il est en 4K dynamique. Le soleil en pleine tronche là. Le super sampling, tout à fait. Et pour le coup, ça c'est de la balle. Ouais, non, mais j'avoue. Amenez votre cheval aux écuries. J'avoue, tu sens la différence hein, quand même. Oui, les poils avec. Oui, tout à fait. Il fallait garer le cheval à l'intérieur, j'avais pas compris. Ah, regarde, la barbe qu'il porte, le mec, là, ça s'appelle des favoris. C'était très, très stylé. T'avais pas une photo comme ça? Si, bah, c'est ce que je porte actuellement. Ah, d'accord. Alors, je vous explique pas quand je mange une soupe à l'oignon dans un bol, ça. Mais peu importe ce que tu bouffes en fait, non. C'est. No papers. Ouais, et quelque part, ça donne chaud. Ah non, mais c'est pas. Ah bah. C'est vrai que dans... il y a quelques situations cocasses. Ah oui, voilà. En fait, il faut la champouiner tous les jours finalement, si tu veux. Si tu veux la conserver, quoi. Tu parles pas bien de ta femme quand même, je trouve. Bah, je suis d'accord avec pour la conserver. Oh, mais allez, mec. Oui. Est-ce que t'arroses ton gazon? Tout à fait. Ah non, bah en fait, mon gazon pour l'instant il est inexistant parce que j'ai ressemé la pelouse encore une fois. Parce que j'ai une terre. On a changé de sujet ou argileuse. Je pense qu'il a changé de sujet délibérément. Ah, mais j'ai 15 de. Attends, non, j'ai. Alors, oui. T'as 15 de là. Je m'attendais à un origine 1.5 tasse dingo. Eh ben moi est-ce que quelqu'un peut me dire combien j'ai d'argent ou à droite? Parce que c'est caché par le chat en fait. T'as 100 99 centimes. Putain, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. 99 centimes. T'as 99 dollars et 78. Qu'est-ce que 99 francs monsieur. Ah, c'est mal barré. 99 ça. Francs. Ah oui, en francs, pardon. En fait, ouais, je peux acheter que le poney à 15 quoi. Pour revenir au 10. Plus intéressant, plus vivant, plus. Mais bon, pour l'instant, tu vois, j'ai 40 heures de jeu, mais j'ai toujours pas croisé ni le Cyclope, ni Medusa, ni le. Sans... Ouais, mais ça, c'est parce que t'es pas allé au bout du jeu. T'as pas avancé, quoi. Ah, mais je suis allé au bout de l'histoire principale, quand même. 40 heures, c'est déjà mignon, tu vois. Ils ont même fait des mecs qui boitent. Bah, tu sais, c'est vachement axé sur l'accessibilité. Hein. Ouais. Tu peux tuner les poneys. Ah, ça serait énorme. Grave. Ah, mais ça, comme dans Forza, tu as pris des calques. Dans Odyssey, c'est qu'ils mettent une licorne. Ils ont mis une licorne en monture. Du coup, j'ai pas compris. Bah, c'est génial une licorne.
Tu touches un public féminin. Et puis, qui nous dit que l'icône n'existait pas à l'époque? Mais c'est ça. Attends, reviens là, toi. Dans 200 ans, nos enfants, ils penseront que les lions et les éléphants, c'était des légendes. Ouais, mais tu vois, ils auraient pu mettre genre une monture, genre Pégase, tu vois, genre un cheval qui vole et tout, ça aurait été énorme. It's called O'Cray's Run. Up in the mountains east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains. Alors là, je crois qu'ils t'emmènent dans une tente. Mais alors, je suis sur bien tout. Je connais pas de voix. Bah alors, moi c'est Snake X. Moi c'est le Raph. Moi c'est le Raph. Et moi c'est Jockey Styles. Si t'es sûr qu'il est dans une connerie, mais c'est Piggy the Wise. Mon nom est personne. J'aurais pu te dire une autre connerie, mais je vais pas la sortir. Je sais pas si t'as vu, Sam, j'ai donné un bon nom à mon cheval. Non, c'est pas, je regarde pas ton stream. Ça fait que Seb. Oh, bah c'est normal. C'est bien. Ah non. Ouais. Pas de soucis. Pour une fois que je peux te monter. C'est ça. Les gars, par contre, il est éjaculateur précoce. Oh putain. Ah oui, mais je ça promets pas de retenir les voix, non t'inquiète pas. Tu me mettras les. Si t'as les liens, t'as Dingo, les liens de, du Cyclope et Minotaur, parce que. Ah si tu peux faire même les astuces sur Xboxlive.fr, ce serait de la classe. Ah oui, oui, tout à fait. Ah ouais. N'hésite pas. Carrément. Et là c'est pas une connerie. C'est vrai, si Aurel Live ne rigole pas, mais Minecraft bouffe énormément de ressources sur la console. Ah oui, en plus Aurel, non mais il en parle, mais c'est vrai qu'en plus il y aura bientôt le patch. 4K HDR. Oh là là, je sais pas quand il sort, celui-là c'est narlésienne. Non. C'est début 2019. Et ça c'est un peu comme la... Je crois que c'est le premier trimestre 2019. En même temps que Crackdown 3. En 2029. C'est ça. Ah, il a déjà écrit des astuces sur Xbox Live.fr. Ah mais c'est génial. Ah mais on te remercie d'exister. Ça change de Raphaël qui fait rien. Alors, j'ai écrit de nombreuses astuces aussi. Mais sur un. Sous un autre pseudo en fait. Et sur un autre site. Sur un autre site. Dans PS Profit. Ah, ça c'est cool, putain, ça va faire plaisir à Alex. Ça. Le boost de succès. Ah, ouais, ah, oui. Ça je kiffe. Il utilise le boost de succès, ouais. Ah, ouais, ah, ça fait plaisir. Ouais. Bah tu vois, tu fais, finalement on est une belle communauté. C'est ça, c'est ça. Mm. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Putain, qu'est-ce qu'il est bon. Le boost de succès, ouais. C'est la classe. Putain, je vais aller voir son compte. Alors, Taz Dingo, il en est à 241 000 succès quand même. Ce qui est fortement honorable. Ah, c'est déjà plus que toi. Ouais. C'est bah, c'est juste deux fois plus que moi. Chasse à lapin. Alors le patch 4K Minecraft, normalement, c'était annoncé au premier trimestre 2019. Même Amazon l'a daté à un moment. Non mais alors, Tazingo, il adore Games of War. Alors je sais pas ce que c'est ce jeu, mais tout le monde y joue. Ah mais qui c'est qui joue? C'est Jockey Style qui joue aussi. Ah si il joue. Ouais. Jockey et Korg. Ah non mais par exemple Ted Zingo, non mais il fait Monopoly Plus, 1000 succès. Non mais 1000 G. Je crois que je les ai. Bah, 1000 succès. Il a platiné State of Decay quand même. Oh putain. Deux. Let's go, girl. Non mais voilà. T'as platiné State of Decay 2. Ah ouais. Chapeau. Ah bah par contre Dark Souls il n'a pas platiné. Non mais très beau score, magnifique.
elle a fait têter Hildeman quoi. Ah oh, putain. Un homme et j'ai l'impression d'entendre ma fiche de joueur. Ah ouais, ma fiche de joueur. Il te ressemble un peu. Ouais, c'est vrai. Bon, moi j'ai pas fait Monopoly. Parce que. D'ailleurs, il est en démat. Tu l'as en démat, Alex? C'est dégueulasse. Oh non, mais. Ah, le dépeçage de lapin, c'est dégueulasse. Non, mais il a vraiment un très bon compte. En plus, il est régulier, tu vois, depuis octobre 2014. Tu vois, la courbe est fluide. Si vous avez pas fait attention, je vous invite à regarder l'écran là. Je vais faire le deuxième lapin. Attention. Alors d'ailleurs, est-ce que dans le chat, il y a d'autres personnes qui sont inscrites sur xboxlive.fr qu'on puisse aller voir les pseudos et... On pourrait faire une analyse, tu vois. Une analyse ouais, une analyse. Une analyse. Une analyse. Ah tu vois, j'adore. Ah bah là on lui a bien pelé les gens pour le coup. Ah bah, de nuit je trouve que le jeu il est encore plus beau. Rarement, non, mais c'est vrai. On a vu un ciel aussi étoilé. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai putain. Non mais par rapport au ciel. Non mais par rapport au ciel. Non mais c'est ouf. La capacité de l'œil à s'adapter à un environnement de nuit. Et avoir tous ces petits détails qui n'existent pas. Et toute cette masturbation qu'on se fait sur un jeu qui fait. Non, c'est noir, les mecs. Non, mais regarde, c'est cool. Les coquelicots, tu regardes. Juste en bas là. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Non, en tout cas, pas Raphaël. Non, moi je suis imprenable. J'ai besoin pour monter le camp. Afficher la roue des objets. Bah ouais. Ah d'accord. Tu sais quand ça clignote. Il y aura le jonc comme au bahut. Du Limousin. On a eu un bon matin. Ah ouais, c'est frit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est un jeu pour végétariens, ça. Complètement. Pour ça, je l'aime pas, le jeu. Bouffeur d'herbes. Bouffeur de limaces. Regarde cet effet de flamme, moi, ça. Ça, t'as l'impression d'être dans Dark Souls. Ah, mais tout à fait. Espèce de dédié au vegan, tu m'étonnes. Ah, il vient de balancer un lien dans le chat. Le mec il a fait 40 heures de jeu sur Odyssey et il a que 515 G. Il va falloir m'expliquer quand même. Bah c'est normal. Bon. L'heure du sommeil ouais. Pour tout le monde. Ouais, j'ai quand même 250 G sur Immortal Engine. Et c'est magnifique. C'est magnifique, Alex. C'est magnifique. Ouais. Quel stream du fou. Nous allons clôturer du coup. Il a raison. Ah, je suis quand même bientôt à 120 000. Ouh, putain. Merci pour l'abonnement. Nouvel abonné. Allez, encore un abonné et on passe à 170 abonnés. Allez, mec, encore un abonné. 170, on peut le faire. Allez, on quitte le stream que quand on sera à 170 abonnés. Tout à fait. J'espère que tu n'as rien de prévu à l'aide demain parce qu'on risque de se coucher tard. 20 euros, s'il te plaît. Non, ça marche pas, ça. Non, l'inverse. Tiens, le raf, fais du 20 euros. Non, l'inverse est possible. T'as 20 euros, ouais. Ah mais Baro, je préfère de streamer que le mec. Genre un mec qui fait une photo. Oh putain. Mais oui, on est à 170 abonnés, les gens veulent qu'on se casse. C'est ça, exactement. Merci à toi.
Merci pour ça. De toute façon, moi j'ai envie d'aller me coucher parce qu'il est. Ah bah, il est 1h10 quand même. Eh oui, demain ça il est. Ça déconne. Demain, bon. Parce que demain on va à la Paris Games Week. Non plus. Lundi en fin de journée, oui. Allez, salut Aurel, bonne nuit. Allez, bonne nuit à tous. Ciao. Ouais, bonne nuit à tous. À bientôt, au revoir, mangez des biscuits. C'est l'esto incroyable. Ouais. Je suis en train de faire abonnez-vous. Un 3D. Ouais, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Beige. Et merci pour ce. Ouais. Merci pour les pour ce moment d'exception. Ouais, merci pour ce bon petit moment. Et vive notre passion du jeu vidéo. Ouais. Alors, la prochaine fois, j'ai quelque chose à vous dire. Claque des doigts, claque des doigts. Ah oui. Claque des doigts. Ah oui. Attends, un briquet. Faut aller, salut les gars. Passion, passion, oh putain. Oh merde. Et coucou les amis, on va pas à le... bientôt les amis. On va... Ouais, ce stream là, on va pas le balancer sur la chaîne YouTube. Et on va le laisser crever de sa belle mort. A bientôt les amis. Voilà. Non, mais ce sera, voilà, ce sera le petit moment à nous quoi. Petit bisous, petit bisous. A bientôt, petit bisous.